Bonjour à tous, vidéo aujourd'hui pour vous faire un petit retour 6 mois après l'utilisation d'une échelle que j'utilise fréquemment dans ma consultation. C'est l'échelle de Brown, donc échelle d'évaluation des fonctions attentionnelles et exécutives publiée au ECPA. Alors l'objectif de cette vidéo, c'est justement six mois après l'utilisation, de vous en faire un retour. J'avais déjà fait une petite présentation de l'échelle en elle-même quand je l'avais découverte. Aujourd'hui, je vais vous en faire un retour de ma pratique, évidemment. Petite remise en contexte, cette échelle a comme objectif, c'est un questionnaire euh, d'auto-évaluation qui a comme objectif d'évaluer le retentissement des difficultés attentionnelles et exécutives au quotidien. Donc comme je l'avais déjà mentionné, effectivement, le simple fait que cette échelle évalue les retentissements, c'est-à-dire les impacts dans la vie de tous les jours, est déjà pour moi quelque chose d'extrêmement intéressant et d'extrêmement innovant. C'est-à-dire que la majorité des échelles d'évaluation sont plutôt sur la fréquence des difficultés, bien plus que sur le retentissement, c'est-à-dire l'impact que ça engendre dans la vie de tous les jours. Rien que pour ça, aujourd'hui, je ne ferai pas sans l'échelle de Brown dans ma pratique clinique. C'est-à-dire que, aujourd'hui, dans les diagnostics, on le sait, hein, dans les critères de diagnostic de manière générale, la fréquence est souvent un critère, c'est-à-dire que la présence des difficultés doit être plus présente que dans la population normale, c'est un point. Mais surtout, de manière générale, tous les diagnostics ont besoin d'un retentissement. Il faut que ces symptômes présents retentissent au quotidien, posent problème. L'échelle de Brown, au niveau attentionnel et exécutif, apporte cette réponse au travers de son évaluation. Fait extrêmement intéressant également. Maintenant, j'avoue que le côté d'évaluation et d'auto-évaluation de l'enfant, étant donné que dans les échelles de Brown, vous allez retrouver une échelle pour les parents, une échelle pour les enseignants, mais également à partir de 8 ans, une échelle pour l'enfant, eh bien cette auto-évaluation, elle permet quand même d'avoir un regard beaucoup plus fin sur ce que l'enfant vit au quotidien et ce qui lui pose problème à lui. C'est-à-dire que dans le cas d'une prise en charge spécifique, c'est toujours intéressant de savoir les priorités de l'enfant. L'échelle de Brown au niveau attentionnel et exécutif, notamment de ce qui lui pose le plus de problèmes au quotidien, permet en fait d'avoir un dialogue plus fin et plus précis avec l'enfant et surtout de pouvoir faire comprendre aux parents que les difficultés que eux rencontrent avec leur enfant ne sont peut-être pas les mêmes que ce qu'il vit, lui, au quotidien. De même qu'on le voit avec les enseignants qui peuvent présenter des échelles légèrement différentes étant donné que les difficultés présentes à l'école ne sont pas forcément les mêmes que à la maison ou pour l'enfant lui-même. C'est très intéressant d'avoir un petit peu ces différents regards pour pouvoir justement nous adapter au mieux et d'avoir une prise en charge globale et spécifique des patients que nous rencontrons. Enfin, et je pense que c'est ça qui me pose toujours un petit peu problème, même si dans la clinique ça ne me ça ne me pose plus. Mais vraiment, quand on lit cette, euh, ce manuel, d'avoir ce côté très centré TDAH, je pense que c'est vraiment un petit défaut de l'échelle pour le coup. Mais n'oubliez jamais que les difficultés attentionnelles qui peuvent être présentes dans un grand nombre de pathologies, de même que les fonctions exécutives et leurs problématiques, eh bien évidemment. Cette échelle va quand même permettre au sens clinique d'aller chercher la présence de ces difficultés dans d'autres pathologies. Récemment d'ailleurs, aux ECPA, j'ai pu produire une, une étude de cas, donc sur une petite fille de 9 ans, qui présentait une anxiété de séparation, et pour le coup, l'échelle de Brown m'a permis malgré tout, d'aller regarder plus finement les difficultés qu'elle rencontrait, mais surtout à quel point l'anxiété pouvait venir entraver ses capacités attentionnelles, mais également ses difficultés exécutives du quotidien. On est capable donc aujourd'hui, malgré le manuel, de pouvoir utiliser cette échelle dans d'autres pathologies qui présentent la même symptomatologie. Et ça, pour moi, c'est vraiment aussi un outil qui va nous permettre d'aller chercher ces informations. Aujourd'hui, très concrètement dans ma pratique, cette échelle est une échelle de dépistage des retentissements du fonctionnement attentionnel et exécutif. Me permet ensuite d'aborder certaines questions de manière plus spécifique d'un point de vue clinique en entretien, c'est-à-dire de me dire, ok, ça retentit de cette façon-là dans votre quotidien, pouvez-vous m'en dire plus pouvez-vous me donner des exemples, essayez peut-être de spécifier à ce moment-là la fréquence d'apparition de ce type de difficulté, et donc au final permet d'orienter au mieux aussi bien les parents que les enseignants que les enfants, puisque vous pourrez expliquer de manière beaucoup plus fine le fonctionnement de votre patient au quotidien dans la vie de tous les jours. Donc personnellement, je vous dirais que oui, l'échelle de Brown aujourd'hui est une échelle d'évaluation des fonctions attentionnelles. Et exécutive qui est extrêmement pertinente à partir du moment où on est bien au clair sur le fait que ce n'est pas une échelle spécifique et diagnostique du TDH mais bien une échelle de dépistage des retentissements de ces difficultés dans la vie de tous les jours qui vont nous permettre de mieux comprendre notre patient voilà un petit peu le retour de mon expérience six mois après l'utilisation Personnellement, je ne vais pas la sortir tout de suite de mes évaluations, que du contraire, je l'ai plutôt faite de manière systématique pour tous les patients que je rencontrais. J'espère que cette vidéo vous aidera également à mieux comprendre l'utilisation de cette échelle, et on se retrouve tout bientôt pour éventuellement d'autres regards sur d'autres outils. À bientôt, ciao.